Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, on espère que vous allez bien. Bien, on est de retour pour un haul Shein. Alors, on est de retour, on a mis longtemps, parce qu'en fait, je ne savais pas si avec tout ça, si Shein livrait toujours, etc. Et si, c'est bon, il n'y a pas de problème de ce côté. Alors, certains me diront, oui, mais il faut éviter de commander sur Internet pour les facteurs. On est dans une situation assez compliquée. Certains vont avoir envie, d'autres non. Certains... Enfin, c'est compliqué. C'est compliqué. Peut-être que les facteurs, ils ont envie de travailler. Hein, vous savez pas. Donc, par la mesure, moi, je peux pas savoir pour tout le monde. Je n'empêche. Voilà. On vous fait le haul, on vous montre. Après, libre à vous. On a un petit code promo à vous donner qui est bon jusque au... Attendez, j'ai les notes. Qui est bon jusqu'au 25 avril. Donc, il y a de la marge. Hein, du 15 mars au 25 avril. Le code promo, je vous le mets en partie plus information, ou là, voilà, je l'affiche, et il vous donne droit à 15% de réduction sur tous vos achats du 15 mars au 25 avril pour le printemps. Voilà, c'est une spéciale printemps. Voilà. Donc nous, on a pris des produits un peu en rapport avec le printemps. Voilà. Donc on va commencer par la liste. Alors on vous fait pas le on va pas vous les montrer essayer, on les a déjà essayés puisque ces produits, on les a reçus début février, je crois. Ah oui, il y a longtemps. Il y a longtemps, donc on devait la vidéo devait être faite que pour là parce que c'est vraiment pour le printemps. D'ailleurs, je crois que j'ai un petit peu de retard sur la publication, mais j'attendais qu'ils me confirment qu'il y avait bien des livraisons parce que vous faire une vidéo si derrière il n'y a pas de livraison, ça sert à rien. Ce qui explique un peu mon retard, mais c'est pas très grave. Du coup, on les a déjà essayés il y a bien longtemps et là on a trop la flemme, hein. Vous savez, on est là, j'ai pas envie de me changer, surtout que j'allais faire du sport après. Ouais. Donc voilà, mais on vous met les images et on va vous dire si ça nous va ou pas parce qu'on les a essayés. Voilà, donc tu commences par toi. Ouais, je suis hyper contente, c'est trop beau. Regardez. Attends. Donc elle est toute, toute happy. C'est une cote. Une cote militaire, en plus il est très très beau le militaire. Oui. J'aime beaucoup le. Vous savez, des fois c'est trop vert ou trop machin, là il est bien. Donc elle est en matière jog, très fin, donc pour le printemps c'est parfait, et c'est pas du tout doublé, mais c'est du jogging, donc très très ample. Les bretelles c'est un petit peu grand, mais après ça tient à la taille comme un pantalon de jogging, donc il tombe pas. Donc peut-être que je vais lui reprendre... Non, les bretelles, j'ai essayé la dernière fois, ils me vont bien. Ouais. Ouais, de toute façon même si les bretelles tombent et que le haut, admettons, elle décide de le porter comme ça, ça tient à la taille parce que c'est très très bien élastiqué, donc ça... Taille 11-12 Ouais. Il me semble 11-12 ans. Et ça lui va très bien. Et elle s'habille en 11-12 ans. Tout ça. Donc ça taille parfaitement bien. Ensuite est pour moi. Je suis trop jalouse. Elle est jalouse. Mais je pense qu'elle va pas tarder. Mais... Enfin, je pense qu'elle... En tout cas, ça te va très bien. J'ai mis quoi là-dessus? Un truc, il est collé. Mais c'est hésité pas. Je l'ai déjà mis. Hein, pour vous dire. Donc c'est un sweat, c'est une taille M, M parce que je m'étais dit, en vue du mannequin, je vous montre à la place de Cassie, voilà, sa tête est changée par un mannequin, ça me paraissait vachement crop top quoi, ah ben, j'ai dit, moi j'assume pas trop tu vois, donc je dis je prends une taille M, quoi, ça va être un peu plus grand, ah ben, c'est limite, après moi je mets que des pantalons taille haute donc ça va, mais voilà, sachez-le, que déjà en taille, sachant que je mets un S en haut voire du XS, si je vous dis que le M, il arrive pile, imaginez-vous, j'aurais pris du S. Ah ouais. Un XS, c'est une brassière. Mais il est vraiment trop, trop bien. Ah oui. Donc la couleur, déjà, j'aime beaucoup. Un vert amande. Mais c'est pas avec les... Il est léger parce que justement, il n'est pas doublé. Mais en fait, il fait un peu nid d'abeille. Je vais vous montrer de près. Regardez. La matière, elle est hyper cool. Il est hyper confortable parce qu'il est hyper... Et il se... Enfin, j'adore. J'adore. Après, je l'ai lavé plusieurs fois déjà. Il a pas bougé, donc bon bah c'est nickel. En même temps, c'est pas une texture qui a l'air de bouger au lavage, donc nickel. Donc je vais le mettre le temps que j'ai envie de le mettre, et puis quand j'en aurai marre, je trouve qu'il va vachement bien. Ouais. Quand j'en aurai marre, bah, je lui passerai, mais ouais. Peut-être qu'elle le verra jamais. Tant pis. Pour elle, tant pis pour moi. De toute façon, vous verrez sur les vlogs quand on vous montrera. Voilà. C'est pas comme si on avait du temps à tuer en ce moment. Oh oui. Il y a des choses, je me souviens plus. Hein, parce que c'est... Le pull, je m'en souviens parce que je l'ai mis beaucoup. Ah oui, ça je me souviens. Alors, c'est un taille S.
il me va bien. Après, bon, j'ai pris un petit peu des kilos quand même, c'est déjà des poids. Donc mon popo, il a un peu du mal à couler dans le taille S maintenant. Mais il coule, mais on sent qu'il faut pas que ce soit plus. Hein. Du coup, bah ça va. Ça va, je suis très contente parce que, bah, je vais peut-être vous montrer, c'est mieux. C'est un jean clair comme ça, donc il est un peu retroussé au bout. Et il est clair, moi le clair ça me fait penser clairement à l'été, au printemps, tout ouais. Ça. Donc je suis très contente. C'est pas un long, je crois que c'est un. Tu sais, un petit peu. Un demi, oui, ça. Enfin, il est pas. Voilà. Je sais pas, il arrive un petit peu au-dessus de la cheville. Mais je vous laisse voir la photo, toujours, je m'appelle Cassie. En tout cas, très contente. Après, je l'ai pas essayé sur le long terme, j'ai juste essayé comme ça, donc à voir ce qu'il donne. En attendant, je porte des jeans chin tous les jours. Écoutez, ils tiennent. Ouais. Donc, bah écoutez, je vais pas vous dire que la qualité est mauvaise puisque c'est ce que je porte. Donc, nickel. Et ensuite, tu veux ouvrir le dernier? Ouais, je sais pas ce que c'est, mais. Ah, ça, c'est la robe. Ah, oui, je me suis dit, on va tenter les robes, soyons fous. Donc, je me suis pris une robe. Et j'ai pris noir. Parce que noir, c'est en fait la forme me plaisait. Donc, j'ai pris celle-là. Donc, elle est comme ça, je vous montre. Elle est très jolie. Franchement, elle est très jolie. Oui. Elle est de bonne taille. Par contre, elle n'est pas doublée. Ah oui. Je dis ça, je dis rien. Donc ça, ça me... Voilà. Te turlupine. Ça me turlupine un petit chouïa quand même. Et l'autre chose qui me turlupine, c'est que c'est une taille S. On voit quand même que c'est assez ample. Vous voyez cet élastique au milieu. Ça me sert le gosier. C'est-à-dire que vous arrêtez de respirer dès lors où vous l'enfilez. Je peux pas. Alors... Après, il y a des personnes que ça va pas gêner. Hein. Mais moi, c'est vrai que j'ai l'habitude d'être assez à l'aise dans les baskets. Et là, le fait d'avoir un élastique assez haut, vous avez l'impression que ça vous oppresse. Je suis pas du tout à l'aise dedans. Ça me sert. J'ai l'impression. Alors, ça me sert pas, mais j'ai l'impression que ça me compresse. Je sais pas comment expliquer. Ouais. Du coup, je pense pas que. Non, honnêtement, je pense pas que je la mettrai. Je verrai avec mes nièces. Ou ma fille. Peut-être ça lui ira, mais oui, tiens, elle est hyper transparente. Oui. Non, pas ma fille en fait. Ou alors, faut acheter un. Vous savez, une espèce de jupon là. Les souches. Les... Ça existe ça, je sais que ça se fait. C'est comme des sous-robes. Ah oui, oui, je vois. Et je sais qu'ils en font à H&M, je crois que j'en ai vu. Mais regardez, on voit grave. Oh, je sais pas si vous verrez, mais moi je vous vois à travers. Ouais. T'as vu? Regarde. Bah, au soleil, c'est pire. Ah oui. Oh. Au soleil, non. On voit tout. Hein. Next. Franchement, j'avais pas vu ça. Parce que moi, quand je l'ai essayé, mes souris, je faisais pas ce temps. Et là, vous la mettez devant la fenêtre, clairement, vous voyez ce qui se passe dehors. Donc, bah, elle est très jolie, mais je sais pas ce qu'on peut mettre en dessous, mais il faut mettre quelque chose, quoi, c'est sûr. Allez, dis-toi. Ah, ça, j'en souviens. C'était une blouse. Ça, par contre, c'est nickel. Trop belle. Trop belle. Bon, dans le même esprit que la robe. Sauf que là, c'est pas transparent. Non. Là, non, j'aurais préféré. Oh, ça va. Avec un petit débardeur noir en dessous, ça passe. C'est mieux que sous une robe. Oui. Tu vois, enfin la robe, c'est compliqué. Hein. Faut... Bon, elle est un petit peu, voilà, un peu transparente, mais avec un débardeur en dessous, ça passe crème. Donc, les manches, elles sont comme ça. Ça se ferme avec un petit bouton à l'arrière. On a un petit col comme ça. C'est très très fin, très léger. Et pareil, les manches un petit peu bouffantes comme ça avec l'élastique. Je l'ai essayé, elle est trop trop bien. Mis dans le pantalon comme ça, ça fait génial. Franchement, elle est très très belle. Et ça, au printemps, c'est le genre de blouse que j'adore mettre parce que c'est ça tient quand même un peu chaud, mais pas trop. Donc ouais, ça, j'aime beaucoup. Ah, j'adore. Je suis trop contente. Par contre, la robe, je suis un peu dégoûtée parce qu'elle est vraiment jolie. Ouais, elle est magnifique. Mais il faut trouver un système pour que... Voilà, quoi. Sinon, c'est pas possible. Bon, voilà notre sélection. Vous avez été nombreux sur notre dernière vidéo à trouver l'idée sympa que je choisisse les prochaines... La prochaine... Le prochain haul chine que je choisisse ses vêtements et qu'elle ne voit pas. Et que celui d'après, elle choisisse pour moi. Donc, on ne l'a pas fait pour celui-là parce que là, on nous a proposé un spécial printemps. Donc, on règle, voilà. N'oubliez pas le code promo jusqu'au 25 avril. Tata. Tout sera en partie plus d'informations. Mais la prochaine fois, je choisis sa garde-robe. Oui, elle est contente, elle. Et la fois d'après, c'est elle qui choisira ma garde-robe. Même pour ça, j'ai hâte. J'ai moins hâte, moi. Parce que autant, bah. Non, ça va. Moi, je peux que ne pas me tromper en choisissant ta garde-robe. Ouais. Bah, moi. Tu sais. Il y a des trucs où j'hésiterais, je pense, mais je pense que je comprends. Parce que déjà, chez un enfant, il y a deux critères qu'il faut savoir. C'est que non seulement je connais ses goûts, puisque tu vas cacher ses vêtements la plupart du temps, mais en plus de ça, elle ne met pas ce qu'elle veut.
mais ce que je pense être portable pour son âge. Donc, j'ai encore plus de critères, moi, par rapport à toi. C'est plus facile pour moi. On verra bien, peut-être que je vais me planter. Hein. Mais je vais essayer de lui prendre des choses aussi dans les adultes, en taille XS, genre comme ça, histoire de pas faire trop enfant. Voilà, donc on a hâte de vous montrer tout ça. Voilà. On espère quand même que pour vous, ça se passe bien, ce confinement. Nous, ça commençait long, ça commençait long. Ah ouais, on n'est pas sortis depuis 2 semaines, oh là là. Ouais, parce que nous, on s'est confinés avant le confinement, mais là, ça commence à faire long. Pour ceux qui se demandent, on n'est vraiment pas sortis, puisque c'est Raph qui va faire les courses quand il y a besoin de faire les courses. Donc nous, on n'a pas quitté notre maison et notre petit bout de jardin. On va même pas devant, là où il y a une voiture, on pourrait, hein. Ça fait partie de chez nous, mais même là, on n'y va pas. Non. Ouais, on va devenir des insociables dans quelques temps. Heureusement, on a Animal Crossing, ça nous aide. Ouais. Bon, sur ce, on espère que vous, voilà, que la vidéo vous aura plu. On vous fait plein de bisous. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Et on vous dit à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao.